Mais les gens qui soutiennent Eto'o ne soutiennent pas Biya. Vous avez quelle tête? Vous avez quoi dans vos têtes là? Il y a quoi là-bas? Eto'o dit que moi je soutiens Biya. Vous vous dites que vous soutenez Eto'o, mais vous ne soutenez pas Biya. Est-ce qu'il y a une logique? On dit tu combats les jeunes. Eto'o dit que moi je soutiens Biya quand un jeune est candidat contre Biya. Vous trouvez quand même une logique dans cette façon de faire. Si on n'est pas un groupe de fous ou un groupe, un troupeau de bœufs, on est quoi? Dans cette façon. Donc, si quelqu'un n'a pas une ligne de conduite claire, moi je ne le suis pas. Les Bassa, Cabral est Bassa, je suis Bassa, et toi est Bassa, et toi soutiens le boulot. Mais quand moi je combats Eto'o, on me rappelle qu'il est Bassa. Lui n'a pas vu que Cabral est Bassa. Donc c'est moi qui dois commencer avec le tribalisme. Pourquoi lui n'est pas tribaliste? Pourquoi il ne soutient pas un Bassa? Bassa, jeune. Peut-être même que Cabral a joué au football et que Biya n'a pas joué. Parce que Biya lui faisait le vélo. Donc on est dans un pays d'absurdité. On dit que le changement viendra vers lui. Et quand il appelle Biya et Chantal, maman, papa, ouais, ils ne sont pas mes mamans et mes papas. Les deux là, Chantal n'est pas ma maman. Elle n'est pas ma maman. C'est la maman. Elle n'est pas ma maman. La maman de tous les gens. Non, elle n'est pas ma maman. Elle est la maman de Brenda, Junior et les autres. Non, elle n'est pas ma maman. On l'appelle maman. Non, la maman. Non, il n'y a pas de sur le plan du reste. Elle est la première dame du Cameroun. Elle n'est pas ma maman. C'est la maman nationale. Non, moi, elle n'est pas ma maman. Elle est la maman de tout. Entre temps, les mêmes individus qui vous tiennent ce discours. Mais vous êtes dans une nef de fou ou quoi? Quelqu'un a sa maman et son papa. Quand sa maman et son papa le punissent, les autres frères, parce que c'est une confrérie. Moi, les combis, c'est aussi sa maman. Puisque Chantal est aussi la maman de moi, les combis. Elle est aussi la maman de Babouk. Elle est aussi la maman de RGPM. Moi, elle n'est pas ma maman. Quand les frères d'une même fratrie se battent et tout, moi, je dois donner mon point de vue en allant soutenir un de ces frères-là. Vous n'avez pas vu comment il faisait le discours, maman. Il y a même un ministre de la République qui a dit qu'avoir être Samuel Eto'o, c'est un talent. Être ministre, ce n'est qu'un décret. Tout, bon, c'est lui qui a été parachuté ministre. On ne devient pas ministre parce qu'on vendait les harangues. Donc il faut être sérieux, la question du football n'est pas une question de jeu au Cameroun. Donc, vous répondez donc à ceux qui pensent que nous en faisons un peu trop. Nous n'en faisons même pas suffisamment. Nous n'en faisons même pas suffisamment. C'est ce que je vais vous dire. Une affaire qui vient de prendre 3 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire la moitié du budget de Cameroun. Vous voyez qu'on parle de quoi? Donc qu'on aille donc parler, je ne sais pas, des hôpitaux de Melundu. C'est de ça dont nous allons parler. Préparez-vous. Nous n'allons plus parler d'autre. Moi, bien, je vais seulement parler du football. Ah bon? Il faut que ce soit clair. Non, jusqu'aux élections présidentielles. C'est parce que l'élection présidentielle se joue autour du football. Ça a vous l'a dit ici. Ça a déjà commencé. Depuis longtemps, chaque fois que le président veut passer à l'élection présidentielle, il a invité les grands joueurs, n'est-ce pas? Est-ce que Joseph Antoine Dembélé n'a pas demandé une fois dans ce pays de voter pour Paul Biya? Il avait fait, non? Merci. Aujourd'hui, il te demande de voter pour Paul Biya. Moi, j'ai dit de ne pas voter pour Paul Biya. Est-ce que tu peux faire comme tu fais là? Non. Moi, j'ai dit que vous ne voulez pas faire l'anti-campagne de Mme Bolivar. Quand tu fais la campagne de Paul Biya, il n'est jamais passé sur ce plateau. On voulait pas ces gens-là. Ici, je ne suis pas là pour dire voter tel bien ou voter pas tel. Quand on était à l'école, nous n'étions pas tous de bons élèves. Il y avait des enfants qui ne comprenaient pas les exercices littéraires, comme le commentaire de texte. Le football, trop, nous en faisons trop sur le football. Qu'est-ce que Biya a dit le 10 février, parlant de football? Qu'est-ce que Biya a dit, le chef de l'État? Que nous mettons beaucoup de moyens dans cette affaire. Que nous mettons beaucoup de moyens dans cette affaire. Je paraphrase. Tu me paraphrases, tu dis même ce qu'il a dit. Que nous l'État du Cameroun met beaucoup d'argent. Et c'est Biya qui parlait comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas une blague. Ça veut dire que ce n'est pas un jeu. Prenez les 10 dernières années. Est-ce que vous savez qu'après les grands travaux, là, le deuxième secteur qui a beaucoup plus l'argent de l'État du Cameroun, c'est le football. On n'a pas dit le sport, hein, le football. Ça veut dire qu'un pays a orienté sa politique vers le football. Si Biya a fait 10 discours, dans 8 des 10 discours, il a évoqué le football et l'équipe nationale. On en a donc fait non plus une question sportive, mais une question politique. Je réponds à ceux qui ne veulent pas comprendre. On vous pose des problèmes d'une absurdité à nul autre pareil. On dit que Eto'o veut faire venir le changement. Mettons d'un côté, Eto'o veut le changement, il ne veut pas le changement. Eto'o soutient Biya, il ne soutient pas Biya, il le dit ouvertement. Qu'Eto'o dise que je ne soutiens pas Biya s'il veut le changement. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.